Pour connaître la date du décès d'une personne, il y a trois façons. Il y a le nomogramme d'Ensge, des insectes et la rigidité cadavérique. D'accord. Alors l'étude des insectes pour cette victime, c'est pas possible, car il y en a très peu. Cette information nous permet de savoir que la victime n'est pas morte de plus de 72 heures. Ok. Vous avez vu comment, dans quel état elle est? C'est moche. Ouais. Voilà. Alors, les informations nécessaires pour l'utilisation du nomogramme d'Ensge sont la masse de la victime, d'accord, la température ambiante et la température corporelle. Alors, il faut savoir aussi si la victime était dans l'eau, mouillée, habillée ou pas. Et ici, la victime était à 17 degrés de température corporelle. Sa masse étant de 50 kg, elle était habillée et à l'air calme, elle était sèche et l'air était à 12 degrés Celsius. Alors pour commencer, il nous faut un nomogramme d'Ensge vierge. Il faut ainsi inscrire la température du corps à gauche et celle de l'air à droite. Sans oublier que... Ah ouais, alors il est juste là. Je vais vous montrer. Donc ça. Ici, il y a la température corporelle. Ici, la température ambiante, alors 52. La température corporelle, c'est 17 degrés. Ici, c'est 12 degrés, la température ambiante. Mmh. Et cette personne faisait 50 kg. Alors, on relie les deux traits, là, comme ça. Ensuite, il y a un point déjà pré-tracé. On le relie comme ça, en passant par les deux. Oui, à l'intersection, d'accord. À l'intersection. Et ensuite, on regarde où c'est. Et on peut voir que quand... est-ce qu'elle est morte? Alors, ça fait 22. Oui, exactement, mais, commissaire, vous avez l'œil. Hein. Effectivement. Donc on peut voir ici qu'il y a 22. Alors, il y a un coefficient aussi. Mais oui, le coefficient, je vous l'ai dit ou pas? C'est 1,2. Mais c'est 1,2. Vous y connaissez déjà, vous en avez déjà fait. Donc ça fait approximativement 13 heures? Oui, exactement. Eh oui, d'accord. C'est très bien, monsieur. Sa rigidité cadavérique oui. Est progressive. Donc elle est morte entre 13h et 30h. Donc ce qui correspond au nomogramme de Ensge. D'accord. Alors on peut voir plus précisément avec des calculs qu'elle est morte entre 13h et 14h. Hier après-midi. Oui. D'accord, je peux avoir votre rapport. Oui, si vous prenez voulez. Mon rapport. Merci. Et bonne fin de soirée. Bonjour, monsieur.